C'est reparti pour le tournoi de football Fenu Challenge en ouverture de la 8e édition ce samedi 8 juillet à Godoumé à Kansoji. Elite, le champion en titre, a chuté face au nouveau venu Castor FC sur le score de 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Prudence, le numéro 6 des mammifères rongeurs, à la 22e minute. Ce dimanche 9 juillet, en clôture de la première journée dans le groupe A, le club de Alabaz s'est frotté à son homologue de Atlético FC. À l'issue de la rencontre, en nul vierge 0-0, un résultat satisfaisant pour le gardien de but d'Atlético FC, Samir JC. On a fait ce qu'on pouvait, on n'a pas pu donner ce qu'on voudrait. Mais bon, le plus important à retenir aujourd'hui, c'est le 1 point qu'on a pris. Et en plus, il y a eu un esprit plus ou moins quand même footballistique que j'ai aimé. Et on va faire le possible pour que le second match, on puisse avoir au moins la victoire pour continuer la compétition avec ses résultats. Bon, déjà, je veux dire que, on va dire que c'est la première participation qu'on a eue déjà ici. Et pour toute première, il y a toujours un petit stress, je veux dire, et tout, qu'on n'a pas pu gérer à la première mi-temps. Mais le plus important, c'est qu'on a gardé notre cage inviolée. Quand on a pris la mi-temps, on s'est retrouvé, on s'est ressourcé, on a repris les choses qu'on a l'habitude de faire. Et vous avez vu ce que ça a donné en deuxième mi-temps. La satisfaction du portier d'Atlético Football Club contraste avec la déception du meneur de jeu de à la base, Prudence Davo, auteur d'un gros raté en seconde mi-temps et qui se console tout de même avec la distinction d'homme du match. Parce que dans le jeu, j'ai vraiment raté une belle occasion face à face. Il n'y a même pas de gardien dans le but. Et puis j'ai raté ça, tout ça, ça. Je suis vraiment très déçu du match, sincèrement. Au prochain entrant, je vais essayer de m'améliorer pour marquer des buts. Enfin, je suis très ému, mais je ne suis pas très satisfait du résultat du match. Parce que on était au-dessus de l'équipe adverse, on devait carrément. On a obtenu un match, avec des cartons en plus. Enfin, ça ne nous arrange pas du tout. Pour sa part, le promoteur du tournoi Fenu Challenge est ravi du bon déroulement des deux premiers matchs de la compétition pour laquelle Cyril Guidji et le comité d'organisation offriront une enveloppe financière de 500 000 francs CFA, un trophée et un jeu de maillot à l'équipe championne le dimanche 20 août prochain, jour de la finale. Oui, mes sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que les matchs se sont passés sans accident majeur. La première rencontre s'est soldée par une victoire et la seconde par un nul. Jusque j'ai un sentiment de satisfaction. D'abord, il y a beaucoup d'innovations. La première édition, on était à 300 000 pour le premier. Et la huitième édition, nous sommes maintenant à 500 000. Et le deuxième passe à 200 000 contre 100 000 francs l'année passée. Nous avons changé également la qualité du maillot. Essayer de communiquer également davantage sur le couloir.